Donc, chers frères et sœurs, nous continuons notre discours concernant le jour du vendredi et l'importance de la prière du vendredi. Allah Azza wa Jal, comme on a dit, a privilégié le jour du vendredi par rapport à tous les jours de la semaine. Et voilà pourquoi il l'a considéré comme un jour de fête pour les musulmans. Et qui dit fête, c'est une occasion pour les musulmans où ils manifestent leur joie. Pourquoi ? Parce que c'est le jour de la fête où on reçoit les plus grandes récompenses. Qu'il s'agisse de la fête de Eid al-Adha, de la fête de Eid al-Fitr, pareil pour la fête du jour du vendredi, c'est le jour où on reçoit le maximum de récompenses d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les musulmans sont censés être contents et heureux de l'avènement de ce jour-là et de tout ce qu'il va accomplir pendant ce jour béni. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, pour ne pas exclure quelqu'un de cette miséricorde ou d'une partie de cette miséricorde, de cette dotation divine, il a rendu la prière pendant ce jour-là comme obligatoire, pour quelque part forcer les musulmans à y venir et à recevoir de sa miséricorde et de sa générosité. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Jumu'ah, et son titre d'ailleurs montre l'importance de cette prière-là, le titre de cette sourate montre l'importance de la prière du Jumu'ah. Allah Azza wa Jal a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmi jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Oh vous qui avez cru, si, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce, cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Et lorsqu'il a dit « laissez tout négoce », il a parlé de tijara, ou il a parlé de l'bay'a, parce que l'bay'a, c'est la vente, c'est la chose qui donne le plus rapidement possible le gain. Lorsque je vends une marchandise, je prends le gain tout de suite. Ce n'est pas comme une fonction. Vous avez une fonction, vous travaillez, vous êtes payé à la semaine, vous êtes payé à la quinzaine, vous êtes payé à la fin du mois. En revanche, la vente, vous êtes censé recevoir votre gain immédiatement. Et Allah Azza wa Jal ici, lorsqu'on lance l'appel du jour du vendredi, accourez vers le rappel d'Allah Azza wa Jal et laissez la vente. Même s'il y a un gain immédiat que vous allez recevoir, dès qu'on entend Allahu Akbar, vous arrêtez la vente. Et c'est pour cela que les savants ont considéré que toute vente qui a lieu après l'appel à la prière du vendredi, c'est une vente qui est caduque. Et qui dit qui est caduque, ça veut dire même ce que la personne a gagné, c'est un argent qui est douteux. C'est le minimum qu'on puisse dire là-dessus. Et voilà pour ceux qui ont un travail libéral et qui sont des musulmans et qui ont la capacité de venir à Jumu'ah, normalement, ils doivent arrêter ce travail lorsqu'il est libéral, qu'ils n'ont pas d'autres occupations obligatoires comme les études ou bien un travail où ils doivent se rendre malgré eux. Dans ce cas, ils n'ont pas l'excuse de ne pas venir à la prière du vendredi. Mais avant que ce verset-là, le verset de Sourate Al-Jumu'ah, ne soit révélé. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans la surat al-Jumu'ah, Allah Azza, juste avant, il parle des enfants d'Israël. Et là, c'est comme si pour dire les enfants d'Israël avaient le samedi et vous, les musulmans, vous avez le vendredi. C'est pour comprendre le contexte de cette surat. Avant que ces versets ne soient révélés, les musulmans ont déjà accompli la prière du vendredi. Ils se sont rassemblés pour accomplir en tout cas la prière le jour du vendredi. Et c'était à Médine. En effet, Ibn Sirin rahimahullah rapporte que l'Ansar se sont regroupés le jour du vendredi afin d'accomplir une prière collégiale au moment de Adh-Dhuhr. Et ils se sont dit, puisque les juifs qui sont à Médine ont pris le samedi comme jour de fête et les chrétiens ont pris le dimanche comme jour de fête, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le jour du vendredi et le jour béni est le jour le plus important de la semaine, pourquoi ne nous rassemblerons-nous pas afin d'accomplir une prière en groupe? Et c'est là où ils se sont dirigés vers leur chef As'ad ibn Zurara, et il a dirigé la prière et il a fait un serment alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore prié la prière du vendredi.
L'imam al-Bayhaqi rapporte sur l'imam Zuhri, Zuhri c'est le maître de l'imam Malik, sur l'imam Zuhri, que Mus'ab ibn Umayr était le premier qui a dirigé la prière du vendredi à Médine avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette ville. Et les savants disent que peut-être ils ont reçu l'information que le vendredi c'est le jour de fête des musulmans, et c'est pour cela qu'ils ont accompli ce jihad, cet effort intellectuel pour dire ben, on va nous réunir, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas ordonné de le faire, même si Dieu n'a pas révélé un verset à ce propos, nous allons nous réunir afin de diriger une prière ensemble. Et c'était la première fois où le Jumu'ah a été accompli. Certains disent c'est Saad ibn Zurara qui l'a accompli, certains disent c'est Mus'ab ibn Umayr, ou peut-être les deux l'ont fait simultanément. Donc quelque part, les savants disent l'obligation d'accomplir le Jumu'ah, cette obligation a été descendue dans le Coran en réponse à l'espérance qu'avaient les musulmans afin de se réunir le jour-là. Nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait que la Qibla change, qu'elle ne soit pas vers Jérusalem, qu'elle soit tournée vers le Kaaba. Allah Azza wa Jal a répondu à l'espoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ce propos qu'il lui a dit, certes, nous te voyons tourner le visage dans le ciel, dans tous les sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Alors dirige ton visage vers Al-Masjid Al-Haram. Donc Allah Azza wa Jal ici, le changement de Qibla était une réponse à un vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne savait pas formuler, mais il l'espérait dans son cœur. Et quelque part les savants disent que l'accomplissement de la prière du vendredi, le jour du vendredi, était une réponse divine au vœu des Ansarites qui voulaient qu'ils se réunissent le jour du vendredi, puisque c'est un jour qui est béni. Et donc en réponse à leur souhait, Allah Azza wa Jalla a instauré la prière de Jumu'ah et il a obligé le musulman à s'y rendre afin de l'accomplir en groupe. Quant à la première prière de Jumu'ah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accomplie, c'était lorsqu'il était en chemin entre Quba et Medina. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hijra, il est arrivé à Quba le lundi. Il s'y est d'abord installé, c'est à quelques kilomètres, de 4,5 km, 5 km de Al-Masjid Al-Haram. Il est resté chez Banu Amr ibn Aouf. Il s'y est installé depuis le lundi jusqu'au vendredi. Et c'est là où il a construit la mosquée de Quba. Et dans son chemin, le jour du vendredi, lorsqu'il a pris le chemin vers Médine, dans son chemin, l'heure de Jumu'ah est rentrée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le quartier de Banu Salim ibn Aouf, les cousins de Banu Amr ibn Aouf. Et là, comme ils avaient pris un endroit où ils priaient, comme ils sortent de mosquée, donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le Jumu'ah chez eux. Et c'était le premier Jumu'ah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier prêche de Jumu'ah, il l'a accompli à cet endroit-là. Et ce prêche a été consigné. Et l'imam al-Qurtubi le cite en intégralité. C'est un long prêche, il le cite en intégralité dans son exégèse du Coran. Et ensuite, donc la semaine d'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli Jumu'ah dans sa mosquée, la mosquée prophétique de Médine. Quant à la première mosquée où on a accompli la prière de Jumu'ah dans le monde après Médine, c'est une mosquée qui se trouvait à Al-Bahreïn. Et c'est une mosquée qu'on appelle Ju'atha. Et ça se trouvait dans le quartier de Abdul Qais, dans la ville d'Al-Khat. Abdul Qais, c'était un quartier dans lequel il y a une tribu qui se sont convertis à l'islam de manière précoce, juste après les gens de Médine. Et d'ailleurs, ils ont envoyé une délégation à Médine pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la tête de cette délégation, il y avait leur chef, Al-Ashaj ibn Abdul Qais, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'était un homme noble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as deux qualités que Allah Azza wa Jal aime. La mansuétude, al-hilm, wal-anat, et la pondération. Et d'ailleurs, cette tribu-là s'est maintenue sur l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certaines tribus ont apostasié l'islam. Eux, ils se sont maintenus sur l'islam, et donc ils étaient fidèles quelque part à leur réputation, à leur honorabilité qu'ils ont manifestée depuis le début de l'islam. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a donné une grande récompense à toute personne qui accomplit la prière du vendredi, et pas seulement, mais qui respecte
les obligations de la prière du vendredi, il respecte les sunnahs du vendredi, il respecte les convenances à observer avant et après la prière du vendredi. Plus tu respectes ces convenances, ces sunnahs, plus tu as la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam muslim rapporte sur Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les cinq prières obligatoires, le vendredi jusqu'au suivant et le mois du ramadan jusqu'au suivant, sont des actions qui expient entre elles, qui effacent les péchés entre elles, tant que l'on évite les grands péchés. Et ça, on l'a déjà dit. Autrement dit, lorsque je respecte la prière du vendredi, la première semaine, puis la deuxième semaine, je verrai mes péchés expiés, tous les péchés, les petits péchés en tout cas, tous les petits péchés expiés dans la semaine qui était entre ces deux prières du vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé encore plus loin dans un autre hadith rapporté par l'imam At-Tabarani, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est un hadith qui est authentique, sahih li ghayri, authentique pour autres, pour les autres, suite à d'autres versions qui ont été rapportées, ce hadith a été considéré comme authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la prière du vendredi est une expiation des péchés commis entre elle et celle qui la suit, dépassée de 3 jours. C'est-à-dire non seulement les péchés de la semaine, mais les péchés de 10 jours en fait, qui vont être expiés. Donc la prière du vendredi est une expiation des péchés commis entre elle et celle qui la suit, dépassée de 3 jours. Car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Donc tu as accompli un bien le jour du vendredi, tu auras 10 fois autant. Et c'est quoi autant? C'est tu verras tes péchés expiés pendant 10 jours. Et parmi les convenances et les sunnahs qu'il convient de respecter le jour du vendredi, on va citer une liste. Si on veut bien entendu obtenir le maximum de récompenses auprès d'Allah Azza wa Jal. Et moins on respectera ces convenances, moins on aura de récompenses forcément. La première chose qu'on a citée d'ailleurs la semaine dernière, c'est prier en groupe dans la mosquée la prière de Sobh, le jour du vendredi. Et ça conformément au hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, qui a dit la meilleure prière auprès d'Allah Azza wa Jal pour Allah Azza wa Jal, c'est la prière de Sobh, accompli en groupe le jour du vendredi. Donc c'est par cela que tu commences ta journée. Je suis un jour de fête, je suis le jour du vendredi, donc je commence par une prière en groupe collectif dans la mosquée ce jour-là. Je veux respecter cette première convenance. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui accomplit cela. La deuxième chose, c'est se laver, comme on se lave pour la grande impureté, se laver et aller très tôt à la mosquée. L'imam al-Bukhari et l'imam muslim et d'autres narrateurs rapportent sur Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se lave, voilà la première condition, celui qui se lave le jour du vendredi comme il se lave pour la grande impureté, donc le ghusl, comme on se lave pour la grande impureté, puis se rend à la prière la première heure, c'est-à-dire très tôt. L'heure ici, ce n'est pas les 60 minutes. C'est comme si tu vas prendre la matinée et tu la divises en 5. En 5 parties. Donc la première partie, c'est ça la première heure. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se lave le jour du vendredi, comme il se lave de la grande impureté, puis se rend à la prière la première heure, c'est comme s'il avait donné en aumône un chameau. C'est comme s'il a donné en aumône un chameau. Imaginez la récompense qu'il aura. Ensuite, il a dit, et celui qui s'y rend la deuxième heure, c'est comme s'il a donné en aumône une vache. Et celui qui s'y rend la troisième heure, c'est comme s'il a donné en aumône un bélier. Et celui qui s'y rend la quatrième heure, c'est comme s'il a donné en aumône une poule. Donc là, la récompense, forcément, elle est beaucoup plus petite. Et celui qui s'y rend la cinquième heure, c'est comme s'il a donné en aumône un œuf. Et la récompense pour un œuf, il y a bien entendu une récompense, mais ça n'a absolument rien à voir avec la récompense qu'on peut avoir lorsqu'on sacrifie un bélier ou bien une vache ou bien un chameau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, et lorsque l'imam entre dans la mosquée, les anges assistent au sermon et écoutent le rappel. Autrement dit, les anges qui étaient à l'entrée de la mosquée en train d'inscrire les hasanats de tous ceux qui affluent à la mosquée, ces anges-là, dès que l'imam sort, ça veut dire dès qu'il entre à la mosquée, les anges, ils plient leur parchemin, là où ils écrivent les hasanats, ils plient leur parchemin et ils viennent assister et écouter le prêche, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc autrement dit, dès que l'imam rentre dans la mosquée,
tu ne peux pas en tout cas espérer la récompense de venir tôt. Peut-être que tu auras la récompense d'avoir accompli le Jumu'ah, sûrement, et peut-être d'avoir écouté le Jumu'ah, sûrement, mais la récompense de venir tôt, tu l'auras perdue. Et Ibn al-Qayyim, il commente ce hadith-là en disant: Allah Azza wa Jal a fait de sorte que le jour de l'Eid al-Adha, il y ait une prière et un sacrifice. Il y a la prière matinale de l'Eid, il y a un sacrifice. Mais pour le Jumu'ah, il y a la prière, mais ce qui remplace le sacrifice, c'est le fait de venir très tôt. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce hadith. Si tu viens très très tôt, c'est comme si tu as sacrifié un chameau. Ensuite, c'est comme si tu as sacrifié une vache. Ensuite, un bélier. Ensuite, une poule. Ensuite, un œuf. Si tu viens tardivement, tu n'as absolument rien à ce propos. C'est comme si tu n'as pas présenté de sacrifice. Donc il te reste que la prière, que le bénéfice de la prière. Et c'est dommage que le musulman, chaque semaine, il peut avoir le temps de venir. Il a terminé son travail à midi. Là, le prêche, il va commencer à 12h50. Donc tu as 50 minutes à gagner. Quitte à prendre un sandwich avec toi, et tu viens très tôt, pour au moins que tu sois de ceux qui ont donné une poule, ou peut-être un mouton, ou au moins un œuf. Et si tu ne peux pas la première semaine, au moins la deuxième. Mais venir systématiquement toute l'année en retard, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Venir systématiquement en retard, même le jour férié, c'est qu'il y a un problème. C'est comme s'il n'y a pas de respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les informations qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, pour toi c'est une lettre morte. Il te dit: si tu viens tôt, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Et toi tu dis: ça ne m'intéresse pas, moi je viens que pour la prière. C'est un irrespect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas dire que tu as commis un péché, mais normalement quelqu'un qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit ses instructions. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne ses promesses, c'est qu'ils vont être réalisés. C'est que la récompense est ferme. Elle existera. Elle est certaine. Et dans ce cas, il faut... Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il dit « Imanan wa ihtisaba »« Imanan wa ihtisaba » Ça veut dire tu crois et tu attends la récompense. Je viens tôt parce que je crois que le fait de venir tôt, elle se récompense largement. « Wa ihtisaba » et j'attends la récompense d'Allah. Je sors de chez moi très tôt pour aller saisir cette récompense d'Allah Azzawajal. Et je dois avoir dans mon esprit cette image-là. Je vais aller récupérer ma récompense. Si par exemple au travail te disent: on va donner une prime, mais vous devez venir, tu seras le premier à pointer. Les gens, lorsqu'il s'agit seulement d'une promotion dans un supermarché, avec une série limitée ou bien avec un produit limité, vous voyez les gens qui font la queue à 5h, 6h du matin. Et dès qu'on ouvre le rideau, tout le monde court, parce qu'il va gagner 20 euros, 30 euros, 40 euros. Et lorsqu'il s'agit de gagner autant de hasanat auprès d'Allah Azzawajal, lesquels vont nous servir le jour du jugement, on est économe, on est indifférent, ça ne nous intéresse pas. Et c'est là où on voit, chers frères et sœurs, que nous avons un problème par rapport à la manière avec laquelle on prend en compte les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même les paroles d'Allah Azzawajal. Chers frères et sœurs, l'autre convenance qu'il convient de respecter, c'est le fait de se rapprocher de l'imam et de bien écouter la khutbah. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah et qui a été authentifié par l'Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui se lave le jour du vendredi sort très tôt, sort de chez lui très tôt pour aller se diriger à la mosquée, marche et ne prend pas sa monture, c'est-à-dire il marche sur ses pieds, il ne prend pas de monture. Se tient proche de l'imam, c'est-à-dire il se rapproche le maximum de l'imam. Se tient proche de l'imam et ne fait pas de futilité à pour chaque pas qu'il a accompli en venant à la mosquée, à pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne. À la récompense pour chaque pas, la récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne. Donc regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur notre hadith. Il dit « Man rassala wa rtassala ». Alors la traduction ici, je dis « celui qui se lave ». Pour certains savants, ils disent « rassala wa rtassala », c'est la même signification. « Bakkara wa btakar », c'est la même signification. Pour d'autres, non. Ce sont deux termes dans lesquels il y a une nuance. Chacun se différencie de l'autre. « Rassala », certains disent « rassala », ça veut dire « il a lavé bien ses cheveux ». Parce que les musulmans, à l'époque, ils laissaient leurs cheveux pousser un petit peu.
Wa'tasala, ça veut dire il s'est lavé le corps. Bakkara, ça veut dire il est allé très tôt à la mosquée. Wa'btakara, ça veut dire il a voulu obtenir ou bien il a voulu être présent pendant le bakura de la prière. Le bakura de la prière, c'est le début de la prière. Le bakura se dit de tout ce qui est, de ce qui apparaît au début. Tout ce qui apparaît au début. Le, par exemple, les figues, les premières figues qui sortent dans, la, dans l'arbre, on les appelle le bakur. Les premières figues, on les appelle le bakur. Ensuite, on parle de at-tin. Donc, btakar, selon certains savants, c'est que ce musulman a insisté ou bien il a veillé à ce qu'il soit présent au début de la khutbah. Il ne vient pas en retard. Donc, celui qui a fait ça et qui s'est rapproché de l'imam au maximum, ça veut dire lorsque je rentre dans la mosquée, la première chose que je dois faire, c'est d'aller choisir la bonne place. Et c'est quoi la bonne place? C'est la place libre qui est la plus proche de l'imam. La plus proche de l'imam. C'est comme si on va mesurer par les centimètres quel est ton éloignement de l'imam. Et à chaque fois que tu es proche, tu as plus de hasanat. À chaque fois que tu t'éloignes, tu as moins de hasanat. On ne va pas dire que tu as des péchés, mais tu as moins de hasanat. Donc le fait d'entrer à la mosquée tôt et de se mettre à l'arrière, parce que c'est comme si je suis dans un cinéma, parce que je veux, à la limite, quelqu'un qui veut reposer son dos, on peut comprendre. Mais même si tu veux reposer ton dos, tu peux venir vers le mur, vers ce côté-là, le plus proche de l'imam, vers ce côté-là, mais pas à l'arrière. On n'est pas dans un cinéma, on n'est pas dans un stade de foot où je veux m'asseoir à l'endroit où je maîtrise tout. Non ! Ce hadith-là que dit le prophète, ce hadith authentique, je dois le réaliser chaque semaine que je viens à la mosquée. Et c'est pour cela que normalement, si on était ordonné, et si on comprenait la parole du prophète, on n'a pas besoin de frères qui vont nous orienter. Ça, on ne le voit pas dans nos pays d'origine. On n'a pas des gens qui sont là pour orienter les prieurs. Chaque, viens, avance-toi, viens ici. On ne voit pas les imams qui à chaque fois disent « rapprochez-vous, serrez-vous ». Parce que les gens comprennent. Malheureusement, ici en France et ailleurs, le problème, c'est l'ignorance qui commence à sévir chez tout le monde. Et voilà pourquoi on laisse des places libres. Voilà pourquoi on commence par s'asseoir à l'arrière. Voilà pourquoi on est obligé, pour ordonner les choses, de mettre des frères qui veillent à installer les frères. Qui veille à les installer, comme si c'était des enfants, pour leur montrer les bonnes convenances. Viens t'asseoir ici, remplis ici. C'est comme si tu le pousses, je ne sais vers où. Comme si on était des enfants, Ibadullah. Ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ces hadiths, c'est qu'il est en train d'instaurer un ordre. Il est en train d'instaurer un ordre. Si on suivait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on serait les meilleurs. Ça veut dire qu'on rentre, la première rangée, elle a été remplie. Parce que les gens veulent être les plus proches. La deuxième, la troisième, il n'y a pas de place libre. Alors que regardez, si on fait le tour aujourd'hui, on va trouver au moins une vingtaine, sinon une trentaine de places qui sont libres à l'intérieur de notre salle à cause de l'ignorance des musulmans qui affluent à la mosquée. Et c'est à cela que servent ces hadiths-là. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met une discipline, un ordre. Et la religion de l'islam, c'est la religion de la discipline. Mais malheureusement, l'ignorance nous met complètement dans l'anarchie la plus totale. Et c'est ce que nous remarquons malheureusement dans nos mosquées. Donc normalement, le musulman, il lui convient de se rapprocher le maximum, de remplir les places qui sont libres, sans pour autant, bien entendu, lever le pied sur les gens, sans traverser les gens, enfin traverser entre les gens et en gênant les gens. Donc le premier, derrière le deuxième, le troisième, le quatrième, et on s'installe bien comme il le faut. J'ai fait exprès de parler du sujet à la fin de Jumu'a pour que tout le monde puisse écouter. J'aurais pu commencer par là, mais il y aura les trois quarts qui n'auront pas entendu parce qu'ils viennent en retard. Et encore, on va voir la semaine prochaine. On va voir, on va tester. Si c'est ce genre de message, ce n'est pas mon message, c'est le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un qui respecte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se doit de traduire l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses instructions. Par amour à ce grand homme. La quatrième convenance, c'est multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été cité dans le hadith de Anas ibn Malik, rapporté par Al-Bayhaqi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Multipliez les prières sur moi le jour et la nuit du vendredi ». Alors, la nuit du vendredi, ça veut dire la veille du vendredi. C'est-à-dire en passant du jeudi vers le vendredi, la nuit du vendredi, la veille du vendredi. Donc le jour et la nuit du vendredi, celui qui prie sur moi une prière, Allah en prie sur lui 10. Ça veut dire la prière d'Allah Azza wa Jalla sur quelqu'un, c'est la miséricorde, c'est la bénédiction, c'est la générosité qu'il va, par laquelle il va le combler. C'est cela la prière d'Allah Azza wa Jalla sur l'être humain. Donc que celui qui espère bénéficier de tous ses dons et de toutes ses miséricordes et de tous ses privilèges et remplir le livre de ses hasanats, qu'il profite du jour du vendredi. C'est une occasion qu'Allah Azza wa Jalla a mis entre nos mains chaque semaine
Donc profitons-en et remplissons le livre de nos hasanats en espérant que ça nous servira le jour du jugement.